Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau match de football. Franck Sauzet m'a rejoint dans la cabine des commentateurs. Oui Hervé, bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez. L'Olympique de Marseille face à l'Olympique Lyonnais, ça va forcément donner un match intéressant. Oui, ce sont deux équipes qui aiment avant tout jouer. Ça rappelle notamment le magnifique 5-5 de la saison 2009. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Schéma classique pour cette équipe avec un 4-4-2. Je laisse découvrir la composition de l'Olympique lyonnais aujourd'hui. L'entraîneur qui a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. L'Olympique de Marseille, bien sûr, ça vous parle un petit peu, Franck. Hein. Bah oui, écoutez, j'ai passé vraiment des très très belles années. Premier ballon. Lassana Diarra. David Fekir. Oh, il est passé. Oh, il est passé. Quel geste. Et le gardien qui va sortir. Maxime Gonalon. Et le but. C'est le capitaine qui montre l'exemple sur ce but. Très belle action. Bonne lecture du jeu. Et ce but, cette fois-ci avec une autre caméra. Ah, ça n'a pas traîné avec ce but de la première minute. Benjamin Mendy. Lassana Diarra. Romao. C'est bien taclé. Maxime Gonalon. Oh, le duel avec le gardien maintenant. Et le tir. Un ballon piqué, parfaitement dosé. Le geste parfait, il n'a pas paniqué, bien au contraire. Il faut une sacrée dose de lucidité en effet pour faire ça et pour réussir le geste. Et oui, Hervé, une frappe pas spécialement appuyée, mais redoutablement bien placée. Précision chirurgicale. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et ils accentuent leur avance, le score qui est désormais de 2 à 0. Et le tir de la casette. Au but. Et avec ce nouveau but, on a vraiment l'impression que les Lyonnais ont fait la différence. Oui, c'est très juste. Hervé, on a la sensation que l'OL est en train de, eh bien, de marquer un grand coup dans cette rencontre. Et quelle frappe! Quelle frappe, Hervé, juste sous la barre transversale. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Ah, ce nouveau but. En tout cas, semble leur ouvrir la voie de la victoire. Rémi Cabella. Il a réussi à passer. Oh, le tir! Ah non, pas cadré cette frappe. Ballon dans les pieds de Lassana Diarra.
Nicolas Nkoulou. L'arbitre laisse l'avantage à l'OM. Michy Batshuayi. Ah, il vient buter sur la défense. Maxime Gonalon. Romain Alessandrini. Romao. Tolisso. La casette. Oh, s'il lève la tête, ça peut être dangereux. Michy Batshuayi. Mathieu Valbuena. Ouais, bonne intervention, il récupère ce ballon. Samuel Umtiti. Christophe Jallet. Sergi Darder. Il décale pour Valbuena en position excentrée. Rémi Cabella. Nabil Fekir. Ce sont les Marseillais qui récupèrent ce ballon. Passe en retrait pour le gardien. Et en balance devant. Benjamin Mendy. Romao. Tolisso. Mathieu Valbuena. Ouais, du point. Le centre pour la casette, repoussé du point par le gardien. Il lève la tête, il va centrer. Un tacle très propre, une belle interception. Allez, 3-0, c'est un bon avantage avant de regagner le vestiaire. Première période bien négociée. Bon, bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période. Sans être étincelant, on peut dire qu'il a été bon. Il a livré une première période sérieuse avec notamment un but. Bon, maintenant, il faut gérer cet avantage à la marque. C'est reparti pour 45 minutes avec, on l'espère, un petit peu plus de suspense. La casette. Et cette séquence ne donnera rien. Benjamin Mendy. Il se dispute le contrôle du ballon. Rémi Cabella, il récupère le ballon. C'est l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Benjamin Mendy. Romao. Romain Alessandrini. Djadjadje. Benjamin Mendy. Romao. Djadjadje. Coup de pied de coin. Et ce sont les Marseillais qui récupèrent ce ballon. S'il lève la tête, il verra qu'il a du soutien. Yanga Mbiwa. Sergi Darder. Et cette main qui donne un coup franc.
Maxime Gonalon, il effectue une bonne prestation pour le moment. Il pèse beaucoup, hein, c'est vrai, hein, sur cette rencontre, en effet. Lorient Thauvin. Christophe Jallet. La casette. Valbena. Et l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Oh, il y avait un boulevard devant lui. C'était trop beau. On s'attendait à une rencontre serrée. Et c'est finalement une promenade de santé pour ces joueurs. Oh oui, il domine. On va changer la frappe. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. L'OM qui récupère. Ouais, ballon bien capté, il ne fallait pas le relâcher. Nabil Fekir. Pas de problème hein, pour le gardien de cette distance. Mais vous savez, Hervé, il a déjà marqué bien. Hein, il a eu raison hein, de tenter sa chance. C'est pas faux. La faute sur cette main. Oh, c'est trop tard, vraiment trop tard pour eux. Le score ne bouge plus. On approche de la fin du match. La cause est entendue. La casette. Le sauvetage du gardien et c'est bien conservé ce ballon dans les bras. Non messieurs les attaquants, ça ne pouvait pas durer comme ça pendant tout le match. Tolisso. Mathieu Valbuena. Parada. Michy Batshuayi. Oh oui, c'est le face à face avec le gardien. Il décide de prendre sa chance. Oh, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid! L'OM qui réduit l'écart, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, ce n'est pas maintenant hein, que les choses vont changer. En effet, là, le retard est trop lourd au tableau d'affichage. Et avec ce nouveau but, eh bien, ça fait 3 buts à 1 maintenant. Un but qui ne changera pas l'issue de ce match. Mais enfin. Eh bien voilà, c'est fini. Le temps est écoulé. Score final, on le rappelle, 3 buts à 1. Et ça se termine donc sur cette victoire, victoire étonnante. Ben, ils ont eu ce qui a manqué à leurs adversaires, le réalisme, Hervé. On avait un bon joueur, sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance hein, de sa part. Bien, je trouve qu'il a livré un bon match. Il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but. Ben, c'est toujours bon pour la confiance.